Dernier meuble qui est présent dans ma salle de bain, ça c'est mon meuble à serviettes que j'ai depuis des années. Alors, voyez, il est à côté de la baignoire, hein, donc de temps en temps, il prend un petit peu l'eau. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un meuble que j'ai conçu il y a quelques années et sur le dessus, j'avais utilisé de la PLV en plastique. Hein. Donc du coup, ça me permet d'avoir un meuble que j'ai vraiment pas beaucoup imperméabilisé, hein, on est d'accord. Je suis restée sur de la peinture acrylique avec un petit liseré mauve que vous voyez ici. Mais par contre, il tient toujours bien. Là, j'ai des serviettes et en dessous, j'ai aussi des serviettes. Mais en fait, le truc, c'est que le coin là, il est squatté par mon chat. Parce qu'il aime bien être dans un petit coin sombre et être tranquille. Alors, moi, ce que je faisais au début, je lui interdisais de venir ici. Mais je voyais qu'il aimait bien le coin là, alors j'ai trouvé un compromis. Ce que j'ai fait, au lieu de le laisser aller directement dans les serviettes, j'en ai rajouté une qui couvre toutes les serviettes. Comme ça, mon chat, il peut venir ici et en même temps, il ne me salit pas toutes mes serviettes à moi. Donc, on trouve nos petits arrangements entre lui et moi. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez envie d'apprendre le meuble en carton, je vous invite à venir me visiter mon site web allocarton.com et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me poser vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, bye bye!